Master et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nation Glory. Donc aujourd'hui on va essayer de farmer le plus d'argent possible parce que on en a besoin pour pouvoir payer l'alliance du comment on appelle ça de l'OPM. Donc voilà. Donc premièrement je pense qu'on va commencer par farm les algues enchantées. Donc j'ai juste prendre une petite voilà de la poudre d'os. Parfait. Donc on va récupérer les orbes que j'ai fait pousser. J'ai récolté celles que des épisodes précédents, là des 3-4, j'avais fait 4 pouces bleus, du coup je les ai récoltés et je les ai directement plantés. Il y en a un qui n'a pas été pris, voilà. Donc là vous voyez je les ai plantés là, puis il y en a encore dans mes coffres, c'est juste j'avais la flemme d'y ragrandir. Voilà. Du coup, hop, on va réparer tout ça. On va faire des bottles d'XP, on va les mettre en vente. En vente, j'ai déjà mis beaucoup de. Hop là, oh, ça lag. En vente, j'ai déjà mis beaucoup de. Comment on appelle ça? De Reinforced Concrete. Voilà. Du coup, ça rapporte toujours pas d'argent parce qu'en gros, les. Comment ça marche, je crois, l'HDV, c'est genre les plus anciens trucs, ça va devant. Et les plus récents, ça va derrière. Du coup, vous voyez par exemple, si j'ai dans mes annonces, ça c'est quasiment pas vendu, mais dès que là ça a commencé à se vendre normalement. Là, pareil, la laine ça se vendait pas au début, c'est tout parti dans les dernières heures. L'extrême chi, je sais pas, et les graines, il y en a plein qui me l'achètent, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc j'ai continué à mettre des coups de bonne mille. Ça a l'air d'être bon, hop, du coup, on va récolter encore ça. Avec ça, on va se faire une grosse. Plein de bouteilles d'XP. Donc, les bouteilles d'XP, en fait, on a le choix. Soit on les fait, on les utilise pour faire des outils en ashstone pas cher. Donc, par exemple, des pelles et tout. Parce qu'on a les ressources nécessaires pour faire des pelles en ashstone en conditions. Enfin, quasiment illimitées. Il va falloir du temps pour vider nos stocks de ashstone. Voilà. Du coup, 32 ça, c'est pas mal. Hop. On va venir poser la bonne mille. Je sais pas si j'ai d'autres orbes enchantées quelque part. Je dois avoir des bottles vides. Un autre endroit. Donc, attendez, elles doivent être par là. Normalement, elles sont là. Voilà, une bottle. C'est pas des, mais. Non, pas ici. Je vous reprends dès que j'ai. Ah non, attendez, c'est bon, en fait, pas besoin de vous reprendre. Normalement, j'ai du verre qui avait cuit là-dedans. Et que bien sûr, j'ai récolté. Ah oui, d'ailleurs, j'ai bien avancé la muraille. Et voilà, j'ai du verre là. Donc, j'ai bien avancé la muraille. Et les. C'est juste qu'il manque de ressources, quoi. Mais sinon, elle est bientôt terminée en théorie. Voilà, donc on a ça. On va y entourer de bottles, ça nous fait 32 bottles d'XP qu'on va pas vendre. On va se faire, je sais pas si j'ai du bois qui traîne par là, non, on va en acheter deux planches, enfin deux planches, deux acajou, voilà. On va se faire un coffre, on va mettre toutes nos bottles d'XP dedans, comme ça va nous éviter de les chercher. Donc voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, je pense, vendre des pommes de terre cuites. Je crois que ça se vend plutôt bien si je regarde les stats. Donc potatoes. Vous voyez, ça se vend bien. Donc voilà, on va y récupérer. Hop. On va tout replanter. Donc je vous reprends dès que j'ai fini de faire ça. À tout de suite. Donc re les gars, donc j'ai récolté pas mal de patates, je les ai pas fait cuire, j'irai les faire cuire, vous voyez, un stack, deux stacks, trois stacks, quatre stacks. Ça c'est des vieux trucs que j'avais avant. Vous voyez, j'en ai un peu partout des patates là, des trucs cuits, hop. Non, c'est le truc des bottles. Voilà, donc on va y mettre là, ça on va y faire cuire. Et du coup, c'est bien ce que je disais en fait, l'HDV marche en fonction du temps qu'il y a. Donc là 7 minutes 55, là 23 minutes, là 27. Donc voilà. Hop. Donc après, si par exemple les gens tapent Reinforced Concrete,
Parce qu'en gros, là, c'est les prix les moins chers qu'il y a. Et si on tape Reinforce, évidemment, on va pas tomber dessus. Concrete, voilà. Déjà, le prix a baissé. C'est peut-être pour ça qu'elles partent pas, les miennes. Si je fais slash HDV, top. Ce chat général, attendez. Ah ouais, effectivement, ça a baissé les prix. Du coup, bah, j'ai les retirer pour les remettre à petit prix. Donc alors, hop. Du coup, ça m'arrange pas tant que ça. J'ai juste faire cuire ça. Je pense que je vais pas avoir assez de charbon, du coup, j'irai en rechercher. Voilà, donc on va reprendre mes concrete. On va remettre à 2$ l'unité. Donc là, ça va nous faire 4000$, c'est bien. J'avais acheté plein d'obsidienne avec. Du coup, voilà, hop, on va retirer ça. Parce que j'avais un truc comme 6000$, du coup, je les ai utilisés pour acheter de l'obsidienne et pouvoir transformer mon fer en concrete. Voilà, cherchez le mot. Du coup, là, c'est en train de cuire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener de l'argent? La bonne mille, ça n'a pas trop marché. C'est pas parti du extrêmement beaucoup. J'ai regardé. Hop, je réponds. C'est dans un circuit fabricateur, je crois. De Galacti Craft, voilà. Donc du coup, hop, global, si je refais un slash HDV top, le charbon ça se vend 1$, le marbre ça se vend bien, ça c'est bien, l'extrême chili ça se vend aussi bien, le miel est toujours en vente. Ouais, je vais aller lui donner de la laine. Le quartz, ça se vend bien. La laine, ça se vend toujours bien aussi. Hop, ça, je peux en produire illimité de la laine. Il y avait un gars qui m'avait commandé je sais plus combien de laine. Un truc du style. Ouais, 10 stacks, c'est ça, 10 stacks de laine. Et en gros, hop, là, j'ai des bottles. En gros, bah, au moment. Ah, là, j'avais des bottles vides et j'allais prendre. Au moment où il est venu pour. Enfin, quand j'ai fini de farmer les stacks, bah, il s'est déconnecté. Du coup, bah, j'ai mis en vente et ça part. Nom continent. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai cherché une cisaille pour faire de la laine. J'allais miner un peu de concrete. On va faire un peu d'extrême chili pepper là. Un, deux de fer. Hop là, j'ai juste récupéré toute la laine là. J'ai lui passé comme ça, il en aura. Je vais pas la vendre la laine, ça sert à rien d'y vendre en petite quantité. Hop. J'en ai déjà en vente. Voilà. Hop. Ça en produit à peu près 45, 47. Ça, je crois que je vous l'avais déjà dit. Hop. 45 et 46. Voilà, ça tourne autour de ce chiffre-là. Puis ça pousse plutôt vite. Hop. Ça lag. Ah, voilà. Donc, hop. Donc on va redescendre, on va aller farmer. Là j'en ai du marbre, mais j'ai pas envie de le prendre sur le toit. Est-ce que j'en aurais pas un peu là-dedans? Voilà, du marbre. Du marbre. Et là-dedans, j'ai du marbre aussi. Du coup, j'ai allé. Attendez, je vais faire des coffres en fonction de ce que je. Non, je vais descendre. Hop. J'ai descendre là, normalement ça a toujours pas repoussé. Voilà, quoique, ouais, ça va, ça pousse assez lentement, mais ça va, c'est plutôt rapide.
ça pourrait être beaucoup plus lent. Du coup, je vais descendre miner et je vous retrouve dès que j'ai quelques stacks de marbre. À tout de suite. Donc, re les gars, donc pendant que je suis en train de miner, je vais vous parler du marbre. Je vais vous parler un peu pour les objectifs de like. Du coup, comment on appelle ça, les algues, je trouve j'en ai déjà assez, donc ça sert à rien que j'en fasse un plus. Vous inquiétez pas, je vais farmer les algues des derniers épisodes là que j'ai pas farmé du coup, parce que je tourne toujours un peu en avance. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, si vous avez des idées d'objectifs de like, vous pouvez toujours me les donner. Hop, on va récolter le fer, puisque le fer ça peut bien se vendre, je pense. Voilà. Comme vous voyez dans le chat, on a recruté un nouveau membre. On en avait recruté deux, mais le mec est parti au bout de 5 minutes. Voilà, ça m'agace un peu, parce que les gens ils viennent, tu leur parles, tu leur expliques comment ça passe, tu leur dis que les maisons sont en location à 20 $ par jour, ce qui est vraiment rien, et les gens ils se barrent. Donc c'est plutôt chiant. Ah oui, aussi, il faudra que j'aille cliquer sur l'ATM, puisque les ATM, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Voilà. Donc du coup là, j'en ai encore. Oui, quant aux abonnés, on a passé les 10 abonnés hier. Donc moi, ça me fait extrêmement plaisir. C'est bien quoi, mais du coup la prochaine barre c'est 50 abonnés. Je vous rappelle qu'aux 50 abonnés, je fais gagner un grade, enfin pas un grade, je dis n'importe quoi. 20 000 $ sur le blue. Donc voilà. Et ensuite, je serai gagné des full proto sur le live. Du coup voilà, donc là, quant à la défense et tout, je vous ai dit, l'OPM du coup a accepté. Entre-temps, j'ai créé, comme je vous ai dit, le TAN, là, je sais pas comment il prononçait, TAN ou TAN. Mais enfin bref, il n'y a pas de pays qui pour l'instant ont signé parce qu'ils sont en train d'en discuter avec leur pays, mais ils étaient plutôt chauds. Donc voilà, il y a ça, et du coup c'est tout, je reprends dès que j'ai miné un peu plus de marbre. À tout de suite. Et juste petite information sur le marbre, pour ceux, s'il y en a qui veulent aller en miner, allez pas y miner à la couche 11, ça sert à rien, il n'y en aura pas. C'est plus dans les couches hautes qu'il y a du marbre. Enfin moi, pour ma part, j'ai jamais vu de marbre à la couche 11, puisque bah c'est plutôt... Je sais pas si c'est que c'est rare, plus rare à cette hauteur-là, ou si c'est qu'il n'y en a pas, mais du coup, voilà, petit conseil, miner à cette hauteur-là. Et dès que vous voyez un filon de... Si vous voyez un marbre, en général, il y a plus de 1 ou 2 stacks derrière. Du coup, bah, n'hésitez pas à défoncer tout votre sous-sol pour y récupérer. Voilà. Du coup, je finis de farmer, je vous reprends dès que j'ai fini ça. À tout de suite. Donc, re les gars, donc on se retrouve. Du coup, j'ai récupéré tout le marbre qu'il y avait près de chez moi. Ah oui, du coup là il y a ma ferme à cactus qui pousse. Je vais pas la replanter, ça sert à rien. Voilà, donc ah non, il en reste là. J'ai récupéré. Et du coup, pendant que je le récupère, fallait que je vous parle de la dernière mise à jour de Nation Glory. Donc ça a rajouté pas mal de petits trucs, comme 20 pays quand même. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans le dernier épisode. Du coup, si je regarde le nom des pays, il y a quoi comme pays là, qui ont été rajoutés? Hop. La Burita pour Buriati, ça c'est nouveau. Ensuite, il y a plein de petites. Il y a 7 îles qui ont été rajoutées et 13, 13 pays. Altaï, ça c'était rajouté. Khabarovsk, ça a été rajouté. Enfin, vous voyez plein de petits pays qui ont été rajoutés. De petits pays. De sous-division de la Russie et d'îles qui ont été ajoutées. Les îles, je ne saurais pas vous dire lesquelles étaient avant, lesquelles n'étaient pas après. Enfin voilà. Du coup, il y a ça. Il y a eu la mise à jour des missiles. Donc, il y a les missiles avant, je crois qu'il y avait un bug avec. Et donc, ils en ont profité pour régler le bug et pour augmenter le nombre de dégâts du missile nucléaire, je crois. Du cluster nucléaire, voilà, il était petit le filon. Ils ont, je crois que c'est tout ce qu'ils ont fait. J'ai regardé, je vous redis ça juste après. Donc voilà. Du coup,
Je vais regarder et je vous reprends juste après. Du coup, relégat, donc là j'ai la liste de tous les pays qui ont été rajoutés. Donc il y a Yamali, Tomsk, Altaï, Touva, Irkoutsk, Krasnoyarsk, Yakoutie, Tchoukotka, Magadan, Kamtchatka, Khabarovsk et Amour et Buryatie. Donc voilà, il y a plein de pays dont la prononciation est sûre, c'est sûr, c'était pas la bonne. Du coup, oui, donc ils ont rajouté des blocs dans le catalogue. Voilà, il y avait ça. On peut s'y tirer avec des lance-roquettes dans le Nether. Voilà, donc je crois que c'est des décos qu'ils ont rajouté. Il y a de nouveaux types de fleurs. Je sais pas si c'est depuis ça ou pas. Mais apparemment, il y a des nouveaux blocs. J'ai cherché, je les ai pas trouvés ce matin. Ah, si, ça, c'est lié. Je sais pas si ça a été ça. Ça y était pas, je crois. Je savais pas vous dire ce qui était pas. J'utilisais pas souvent le truc. Ah, ça c'est. Pardon, c'est stylé, je disais. Hop. C'est peut-être pour faire un balcon ou des trucs dans le genre. Voilà, donc je vais le poser là-dedans. Ça, je pourrais directement y mettre en vente à 1$. Donc voilà, hop, on va se faire 652$ avec, c'est pas mal. Voilà, j'avais un mur rempli. Ouais, j'ai les plafonds, ils sont remplis de marbre. Faudrait peut-être que j'y récolte et que je mette de la stone à la place. Voilà. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais farmer de l'extrême chili pepper et je vous reprends dès que j'ai quelques stacks. À tout de suite. Du coup, les gars, donc je suis venu chercher ma pioche, ma hache et j'avais un petit conseil à vous donner. Quand vous allez farmer du bois, utilisez des haches en onyx. Certes, c'est cher. Si je regarde le prix, ça doit être un truc comme 400$. Onyx. Sinon, vous pouvez la crafter. Vous voyez, l'onyx, c'est pas cher. C'est 28 l'unité. D'ailleurs, j'en ai acheté un peu puisque j'en ai pas trop dans mes stocks. Ouais, ça va le faire. On le revendra. Vous inquiétez pas. Voilà, vous voyez, onyx axe. 600$. 700$, c'est cher. Je vais pas vous le cacher, je peux les faire vachement moins cher. Je pense d'ailleurs que si je regarde, ça pourrait être un bon business à prendre. Ça, si je regarde les prix. Ouais, non, en fait, ça se vend pas les haches en onyx. Je pense que ça va plus quand même sur l'ashstone, puisque l'ashstone c'est moins cher. Et c'est quand même beaucoup plus pratique ça. Ah non, là 500. Ouais, une par jour. Mais du coup, si je regarde en ashstone, ça doit quand même beaucoup plus se vendre. Ouais, eux c'est des fous ceux qui vendent à 45 déjà. Là il y en a à 8$. Vous voyez si je fais les stats. Ouais, ça se vend vraiment bien les Ashton. Je pense que je vais faire un gros stock de Ashton Speedcakes que je mettrai en vente dans. Que j'enchanterai et que je mettrai en vente. Du coup, pour les enchantes, j'ai ça. Ou sinon, j'ai farmé pendant. C'est 25 levels d'XP donc ça va plutôt vite. Voilà, hop, ça je vais y mettre dans mon coffre à minerai. Donc du coup, je retrouve dès que j'ai beaucoup farmé de d'extrême chili pepper. À tout de suite. Donc les gars, pendant que j'étais en train de farmer, les patates ont cuit. Du coup, on va y récupérer et on va aller toutes les mettre en vente. Voilà. Hop là. Du coup, ça j'ai laissé un stack. Ce sera juste pour moi pour bouffer puisque je bouffe pas l'extrême chili. Je préfère avoir mes patates sur moi. En PVP c'est quand même plus pratique de Extreme Chili mais là étant donné que j'aime pas trop PVP je suis en train d'essayer de m'améliorer en PVP pour pouvoir faire des petites séances de PVP puisque je suis pas non plus très fort. Hop. Donc voilà du coup je vais vous reprendre dès que j'ai fini de faire ça. À tout de suite et juste avant j'ai oublié de vous dire je vous avais dit la hache en. Je sais pas si vous vous souvenez dans le dernier épisode quand je minais avec ma hache en. Enfin, dans l'un des derniers épisodes quand je minais avec ma hache en. Je sais pas si c'était quoi comme matériel. Vous voyez quand même vachement mieux là la différence entre l'onyx et admettons l'ashstone. L'ashstone ça te t one shot pas plus. Donc voilà. Donc je vous reprends dans 5-10 minutes dès que j'ai fini de farmer ça. A tout de suite. Donc les gars, j'ai terminé. J'ai récolté un peu de canne à sucre depuis quelques temps donc je vais les mettre en vente. Ça me servait pas à grand chose donc voilà 215$ d'effet. Je me suis aussi fait une petite ferme à canne à sucre en bas. J'ai farmé ce qu'il fallait que je farme. Je crois qu'en haut j'ai les patates à vendre.
Hop là. Voilà. Non, pas ici, les patates. Je les ai pas mis là, les patates, normalement. Ah, peut-être que je les ai déjà mis en vente. Je sais plus. Attendez, je vais regarder. Comme vous voyez, j'ai 5500. Ouais, je crois. Voilà, je les ai mis en vente. J'ai 5559 dollars. Je sais pas si, en gros, j'ai cliqué sur un panneau ATM sans faire gaffe. J'ai juste récupéré ça, j'ai allé voir, j'ai refait un panneau pour voir si je me fais des sous. Donc voilà, donc hop, je vais prendre deux bois de chêne. Voilà, donc je pense quand même que j'avais cliqué sur le panneau ATM. Donc voilà, donc on va le poser. Hop, pour faire un panneau ATM, c'est tout con. Hop, AT, non, tout en majuscule. Hop, ATM, down. Donc voilà, je vais mettre dans le chat global, attention. Ouais, donc effectivement, j'avais cliqué dessus sans faire exprès, donc j'ai dû me faire beaucoup, beaucoup de sous. Donc là, vous l'avez vu dans le coffre, j'ai farmé beaucoup de quoi me faire pas mal de stacks de machin. Donc attendez, je vais repasser dans un chat où ça parle pas plus que ça. Voilà. Du coup, ici, donc j'ai le firm tofu. J'ai 4 stacks de chili, 4 stacks de bean. Donc voilà, donc on va se crafter un peu de chili normal. Et aussi, il fallait que je vous parle d'un marché que, en gros, la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez, ou je sais même pas si je l'avais dit, mais j'avais dit que le fer avait beaucoup, enfin en tout cas je pense l'avoir dit, que le fer avait beaucoup baissé de prix, et je crois savoir qui est le responsable. Je vais vous montrer. Hop, pourquoi j'ai des sous qui arrivent d'un coup. Ah mais oui, c'est vrai, j'ai cliqué sur le panneau. Du coup, je crois savoir qui est responsable. Hop. Spawner. Voilà, donc un spawner de villager. De golem, pardon. Du coup, voilà, donc je pense que c'est quand même ça qui fait que les prix ont beaucoup baissé. J'ai pas avoir assez de chili. Hop. J'ai fait le maximum d'extrême chili que je peux. Hop. Ça me fait ça. Je crois que j'en ai dans un autre coffre, j'allais voir. Hop, voilà. Pourquoi j'ai mis de l'extrême chili là? Je sais pas, voilà. Donc j'allais voir là-dedans, je crois que j'en ai. Hop. Non. Là, voilà. Non, il me faut un stack de plus, voilà. Donc ça, on va y mettre en vente bah, dès maintenant. J'ai retiré ceux que j'avais déjà mis en vente, histoire de pas en faire deux en même temps. Comme ça, je mettrai tout en même temps. Ah non, en fait, ça. Ah non, oui. Tac, tac, hop. Voilà, donc ça, je récupère. J'ai rangé dans le coffre. Mes annonces. On va retirer. Ah, les graines de blé ont expiré. Est-ce que je les remets en vente? Ça sert à rien. Voilà. Donc, on va aussi retirer mes annonces de Extreme Chili. Voilà, donc ça je vais mettre en vente directement maintenant pour 2 dollars. 1127, est-ce que c'est bon? C'est parti, voilà, parfait. Donc voilà, et je regarde aussi pour se faire des sous. Et je me suis dit que les steaks se vendaient vraiment, vraiment bien. Donc voilà, vous voyez, les steaks c'est 1 dollar, mais on en vend pour à peu près 1000 par jour. Donc si on arrive à faire une usine, parce que je regardais en fait, en gros il y a un truc, ça s'appelle les incubateurs. Voilà, donc là il y a l'incubateur à poissons. Ça, je sais pas si ça permet de faire spawner des poissons globes pour faire des potions d'apnée. Je crois que c'est ça qui fait les potions d'apnée. Et là il y a du circuit Tiber, donc voilà, vous voyez compresser cette dèche, un œuf et tout, c'est un peu chaud à voir, mais ça, en gros, dès qu'on met un œuf, je crois que dans mon pays, si j'ai dans la banque le coffre de pays. Ah, j'ai du marbre là, parfait, je vais y prendre, je vais le vendre, ça j'ai enlevé, je vais tout vendre, non ça j'ai laissé là-dedans, hop, j'ai récupéré le marbre que j'ai mis en vente tout à l'heure, ça me fait perdre 5 dollars mais c'est pas ouf, voilà, donc ça va nous faire un peu plus de sous, 947 c'est bien. Donc du coup je m'égare un peu, mais je disais, en gros dans mon underchest j'ai des œufs de... Voilà, vous voyez, j'ai agrandi la ferme, enfin je l'ai construit. J'ai des œufs de, comment ça s'appelle, de squelette, voilà, je cherchais le nom. Et d'araignées. Donc les araignées, franchement, j'en vois pas l'utilité, hormis ça pourrait faire une belle usine à laine.
mais on en a déjà une bien qui fonctionne plutôt bien. Et du coup, les os de squelette, ça nous permettrait de vendre des os directement. Et les os, c'est beaucoup mieux à vendre. Attendez, je cherche une cisaille, je crois que je n'en ai pas là. Et du coup, les os, c'est beaucoup mieux à vendre que la poudre d'os, puisqu'on y vend 1 $ en os. Et ça nous permet de récupérer 3 de bonne mille, je crois, si je ne me trompe pas. Hop. Je sais pas si ça... Non, c'est bonne du coup. Hop. Voilà, vous voyez, ça vend que des poudres d'os. Pas un os normal, du coup, je pense que ça pourrait être un bon marché à faire. Ou alors faire une grosse tour à mob. Mais... Enfin voilà, quoi. Ça nous permettrait de... Ah là, j'ai encore du marbre. J'y ai retiré du coup. Ouais, ça nous permettrait du coup, ce que je disais, de nous faire... Peut-être plus de loot comme de la gunpowder ou qu'est-ce qu'on pourrait vendre d'autre avec si les araignées spawnent de la laine, de la rotten flesh, puis ça nous fera un peu d'XP je pense. Donc je sais pas si c'est une bonne idée, à vous de me le dire dans les commentaires. Voilà, du coup l'épisode touche à sa fin. Ouais, du coup n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me ferait plaisir. Du coup, je vous remercie déjà pour les 10 abonnés. Et du coup, on se dit à la prochaine. C'était Monster et à plus.